Vegan. C'est quelle taille ton exploitation? J'ai 125 mamans, c'est des animaux très intéressants. On est content d'avoir voilà, une marque comme ça qui puisse nous revendre notre viande et puis la mettre surtout en avant. Du coup, nous là, on repart à Vernoux-en-Vivarais, en Ardèche. Bon Thibaut, t'en penses quoi de l'Ardèche? Oh, c'est magnifique, écoute, franchement, ça valait le coup de monter. Hein. T'entends les grillons hein? Eh, c'est déjà le sud. Hein. Ouais. Bon, allez, 20 bornes et on est à Vernoux. Ça y est, nous voilà à Vernoux-en-Vivarais et on va aller visiter la fabrique à saucissons Cochenou Label Rouge. On monte dans la deux chevaux? Allez, on y va. C'est moi qui prends le volant cette fois-ci? Ouais, tu prends le volant. Allez. Salut Bruno. Bonjour. Thibaut. Enchanté. Camille, c'est toi le directeur d'exploitation ici, à Vernoux? Tout à fait, bienvenue à Vernoux. Faut qu'on s'équipe? Faut qu'on s'équipe. Ça, c'est spécialement pour le moonwalk. Faut bien se laver les mains. On rentre dans l'arène, dans l'antre du saucisson. Alors comment on embauche le saucisson? En fait, on va prendre en fait un boyau naturel, de chaudin, qu'on va en fait venir remplir avec la mêlée de viande. Ça, c'est fait à la main, venez voir. On a dans son frigo de la viande que l'on a préparée. Assaisonné. C'est un boyau en fait qui est attaché là. Ça et la pâte en fait qui sort. L'opérateur c'est même prendre des boyaux. Si je mettons, je serre tout, ça va casser. C'est la main qui fait. Alors c'est parti, il faut trouver le bon côté déjà. Ok, c'est là. Et il faut mettre la. Faut mettre le doigt ici. Voilà. Là j'ai glissé. Voilà. Et après on pèse là. Et on vient le fermer en fait par une ficelle. Ils sont récupérés en fait par un opérateur qui va les attacher. On utilise une perche en bois pour suspendre les saucissons. Dans le cadre du lancement de la gamme Label Rouge, et ben nous on est parti à la découverte un peu des personnes qui fabriquent ce saucisson. Quand on mange un saucisson, s'il est bon quelque part, c'est parce que Isabelle est passée parce par là. Parce que Isabelle l'a embossé sans doute. Il n'y a pas que moi, mais bon, ouais. Nous on est 108, 110 là à peu près à Vernoux. En fait, on fait quand même à la main. Ils disent que c'est industriel parce qu'en fait, c'est par rapport au volume, moi je pense que c'est ça en fait. Et on a vu, même ton collègue, il fait quand même toujours les nœuds pour mettre sur les perches. Oui, à Vernoux c'est comme ça. On a vu ton coup de main tout à l'heure, c'est impressionnant. Après, ça, c'est à force d'en faire. Hein. Tes parents étaient déjà dans la salaison? Mon papa, moi, avait travaillé ici. J'ai une belle-sœur et un beau-frère qui travaillent là. Voilà. Okay. Merci Isabelle, merci beaucoup.